This was Pride Paris 2013, remastered in 2019. See the rainbow, touch the rainbow. Ah! Ah! Attends, on tire pas trop. Là c'est bon, t'as pas de lit, t'as pas ça. Là t'es mis. Là t'es sur rôle. C'est vraiment bon. Plutôt en sachant que tu les garderas pas, c'est vrai. On aura mis un peu moins comme cette fois-ci. La club, Adja, la club. La place, va sur la droite. C'est le petit genou qui est tout timide. C'est le chien, c'est le la première heure. C'est comme dans la police, ça fait qu'à être formé. Ou déformé surtout. C'est lui qui conduit le camion, alors vas-y, va les aider. Il est où le chauffeur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Chauffeur. Il y a moyen de le décaler plus par là? Le retrouver un petit peu, ouais. Le ramener presque plus au niveau de la... Pardon? Attends, non, il a reculé un peu là déjà. Faut qu'on soit triangulaire. Attends, le petit oiseau il va sortir. Pas 3 heures comme ça les gens. J'ai besoin d'être 2 euros la dernière. Bah ouais, il faut être au moins 2. Hé Laurent, le croco, il y a qu'à, ça va. Eric, tu me quittes à notre pantalon, il est sale. C'est la même maison. C'est la même boîte. Ceinture, chapeau, poppers, casse-tête, chapeau, portefeuille. 10 euros les grands drapeaux classiques et 12 avec les symboles des Ouïghours. Ouais. socialiste, PMA, trahison, socialiste, PMA, trahison, socialiste, PMA, trahison, socialiste, PMA, trahison, socialiste, PMA, trahison. D'où l'idée des talons, on regarde les Chris Summerfield. I'm here for Gay Pride Paris. It's the 29th of June 2013 and the weather has been overcast this morning, but the sun's come out this afternoon, and might I say Paris and Europe, it's a different world to the UK altogether. It's open, it's happy, and it's a revolution. So if you get a chance, come to Europe, get out of the flipping UK, it's mad. Photographing the photographer. Bienvenue, tu vas chez Marguerite. C'est bon, pas grave. Bon, ça, je sais pas quoi en faire. Pardon ? Pardon. Oh là, notre coupe. On voit pas nos petits shirts en moto en fait. Mais il est joli avec ou sans la veste. C'est quoi? C'est la veste qui fait la différence. It's now 13:31, so that's 1:30. Just gone, so the parade should be starting in a minute. Bonjour, bonsoir. La PMA a occupé, comme un fil rouge finalement, a occupé les débats toute cette année sur l'ouverture du mariage pour tous, mais la PMA n'a pas trouvé de traduction dans le projet de loi. Et nous, à notre LGBT et l'ensemble des associations présentes ici, défendrons, dans tous les mois qui viennent en tout cas, défendrons la PMA pour toutes les lesbiennes, parce que c'est un droit qu'il faut à tout prix ouvrir. La PMA, la filiation en mariage, mais aussi l'autre grand volet de revendication, c'est les droits pour les personnes trans. Les personnes trans ont vu leurs droits, ont vu en tout cas que leurs droits n'ont pas évolué toutes ces dernières années, et nous ne pouvons que nous féliciter. Il y a 2 jours que la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, rende un avis qui enjoigne la France à enfin faire évoluer sa législation sur le changement d'état civil. Car le changement d'état civil pour les personnes trans, c'est-à-dire avoir des papiers d'identité qui correspondent à son apparence, et ben aujourd'hui c'est un véritable parcours du combattant en France pour les personnes trans. Et il faut que ce parcours soit démédicalisé et soit déjudiciarisé. Et donc nous demandons enfin à ce que le président de la République, le gouvernement, les politiques s'enquérissent de cette question du droit des trans et fassent enfin évoluer les droits des trans dans notre pays. Troisième grand volet de revendication, c'est l'égalité réelle, l'égalité tous les jours. Et l'égalité tous les jours, c'est lutter contre les discriminations au quotidien. Nous demandons à ce qu'il y ait des politiques publiques qui soient soutenues, engagées, une véritable volonté politique pour lutter contre l'ensemble des discriminations. Car on l'a vu ces derniers mois, les préjugés, les stéréotypes à l'encontre des lesbiennes, des gays, des bi et des trans sont encore très ancrés. Même s'ils sont du fait d'une minorité, il faut continuer le combat contre les discriminations. Et cela ne sera pas seulement du fait uniquement de vote de loi sur l'égalité des droits, mais aussi parce qu'il y a des politiques publiques qui sont engagées et soutenues sur la lutte contre les discriminations au quotidien. Au quotidien, ça veut dire à l'école, au travail, dans le cadre de l'accès à la santé et aux soins. Et véritablement, il faut une politique volontariste sur le sujet. Enfin, pour terminer, nous n'oublions pas... Pour que le PMA, la filiation de leurs enfants hors mariage, soit reconnue. Aujourd'hui, à Bicos, nous saluons l'avancée législative, même imparfaite, pour les genres de la personne. Si les bisexuels peuvent bénéficier dans certaines circonstances, ce n'est pas pour autant que nous voyons notre identité reconnue dans ce pays. Ni un mélange d'idées, ni tant l'un et tant l'autre. Cette obsession pour la dualité fait que les deux mondes séparés pour une personne bisexuelle forment chacun un placard dont il faut sortir. En réalité, nous souhaitons voir une société où chaque personne sera posée, discriminations peuvent s'additionner les unes aux autres, et c'est pourquoi il nous est indispensable de nous positionner en tant que bisexuels dans une lutte globale et résolue cette année encore à la magnifique marche des fiertés qui va démarrer. Que ce soit à voile ou à vapeur ou aux deux. Ouais, j'avais vu Luc. Et lui, nous, YouTube. Avec le saccage de l'exposition de l'Énonciateur. Alors c'est pas que vous avez tous été affrontés avec suffisamment de violence pour refuser que se reproduise cette carrière de regrâce au sein de notre communauté. Malheureusement, par ailleurs, je l'ai dit, bien évidemment, celle qui blesse et qui isole et qui reste aujourd'hui plus que jamais une réalité. Alors je vais simplement vous donner un chiffre, plus de 82%. T'es filmé là. Et c'est précisément parce que les batailles pour l'égalité et contre les discriminations, je veux bien dire toutes les discriminations, que nous ne pouvons accepter que nos communautés en soient elles-mêmes la source. Que ce soit sur la xénophobie, mais aussi sur le racisme, la misogynie, la transphobie, la polophobie et bien d'autres. Alors nos communautés aujourd'hui, elles sont composites, elles sont plurielles, elles sont riches de leur diversité, et cette diversité, nous la revendiquons plus que jamais. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que nous sommes tous séropos, séronèdes, mais surtout sérohéros. Merci beaucoup. Je crois que je vais l'éteindre pour dormir sans vous. Une intervention d'Elisa, qui va nous parler. Je suis très contente de vivre en France, à Paris. Je milite ici pour les droits LGBT. En Turquie, depuis plusieurs semaines, des manifestations pour la liberté sont réprimées avec... J'ai été reconnue comme réfugiée il y a 2 ans par la France, que je remercie pour son accueil. Aujourd'hui... Thanks to the organisers and everyone involved in Paris Pride 2013. Thanks to the organisers and everyone involved in Paris Pride 2013. Thanks to the organisers and everyone involved in Paris Pride 2013. Music with great thanks by Jasmine from Plymouth.